démontrer qu'un tableau est de proportionnalité, troisième cas. Dans ce troisième cas, on constate que trouver le coefficient de proportionnalité ne saute pas aux yeux. Qui plus est, nous ne pouvons pas travailler d'une colonne à l'autre parce que là aussi, trouver un coefficient multiplicateur a l'air compliqué de tête. Donc, comment allons-nous procéder? Pour trouver le coefficient de proportionnalité, j'aurais dû trouver le nombre qui me permet de multiplier 3 pour trouver 2. Ce nombre, par définition, c'est 2 sur 3. Combien vaut 2 sur 3? On pourrait poser la division, ici de tête c'est un peu compliqué, ou alors si on le fait, on constate qu'elle ne tombe pas juste. De même, pour la deuxième colonne, il faut trouver le nombre qui, lorsque je multiplie par 10,5, je trouve 7. Ce nombre, par définition, est 7 divisé par 10,5. Là aussi, c'est compliqué à poser. Donc pour savoir si c'est un coefficient de proportionnalité, il faut que je regarde si 2 divisé par 3 est égal à 7 divisé par 10,5. 2 sur 3, est-ce que c'est égal à 7 sur 10,5? Pour savoir cela, il y a une méthode assez simple, c'est d'effectuer les produits en croix. Sont-ils égaux? Donc je vais calculer 2 fois 10,5, ça fait 21. Est-ce que c'est égal à 3 fois 7? 3 fois 7, ça fait 21. Il y a bien égalité. Donc le tableau est de proportionnalité. Ok, ça c'est l'explication. Maintenant, regardons comment nous allons rédiger. Pour cela, je reviens à l'énoncé. Je vais rédiger à droite, ici. Donc, je vois ce tableau. Je veux savoir si c'est un tableau de proportionnalité. Le coefficient ne saute pas aux yeux. Travailler avec les colonnes ne saute pas aux yeux. Je décide donc de faire les produits en croix. Je fais donc 3 fois 7. Donc ça, je vais l'écrire. 3 fois 7, 21. Ensuite, je calcule 2 fois 10,5. 2 fois 10,5, je l'écris aussi sur ma copie. Donc, je ne suis pas obligé d'expliquer pourquoi je fais ça. Hein. Je le fais directement. Je dis ensuite, donc, les produits en croix sont égaux. Voilà, j'écris cette phrase, c'est important, c'est ça qui justifie. Et ensuite, j'écris, donc, c'est un tableau de proportionnalité. Voilà, une fois écrit, on souligne sa réponse. Alors, c'est une méthode qui est extrêmement rapide, puisqu'on ne pose pas de division. On utilise la puissance des produits en croix. Par contre, elle a un défaut, c'est qu'on ne trouve pas le coefficient de proportionnalité sous la forme d'un nombre décimal. On pourrait dire que le coefficient est égal à 2 tiers. Dernière remarque, cette méthode fonctionne pour les autres cas. Si l'on posait la multiplication 4 fois 56 et qu'on la comparait à la multiplication 7 fois 32, on trouverait le même résultat et donc le tableau serait de proportionnalité. Bon, pour rappel, ici, il était plus facile de trouver le coefficient de proportionnalité qui était 8. Par contre, si on a 3 colonnes, il faudrait faire les produits en croix pour les 2 premières colonnes. Et il faudrait ensuite faire les produits en croix pour la 2e et la 3e colonne, ce qui commence à devenir assez long.